Salut tout le monde, c'est Snakers Gaming pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Xin Zhao Jungle. Ça faisait un moment que je l'ai pu jouer, puis je trouve le perso vraiment très fort, voire un peu trop fort, je dis franchement. Et vu que c'est un perso que j'adore jouer en fait depuis sa petite refonte, son petit rework, je trouve qu'il est beaucoup plus agréable qu'à jouer qu'avant. Voilà, je vais activer le son du jeu, hier je l'avais désactivé, j'avais des petits là, bah décidément c'est pas bon. Non, attaque pas maintenant. Je sais pas si vous avez vu sur la carte, mais en fait, en restant sur place, j'ai esquivé une spire sans le faire exprès. C'est plutôt comique. Pourquoi? Qui c'est qui spam? Enfin bref. Donc je suis avec un Malphite Jungle, avec Garmid, avec un Varus Horn en botlane. Et en face, nous avons donc un Blitzcrank, Miss Fortune, Nidalee, Sejuani et Riven. Voilà. Je vous jure que si le Blitz il arrive et qu'il me prend le raid, je vais être vraiment très triste. Mais vraiment très triste. Donc Xinzo, je vais voir un peu avec le build que je joue. Je sais qu'il y en a plein qui aiment bien jouer avec l'enchantement guerrier dessus, sauf moi je vais prendre l'enchantement rasoir sanglant. Son Nidalee. Enfin parce que je veux dire Sejuani, Blitz. Thank you. Je vais ouvrir mon A au niveau 3. Le A c'est le reset d'auto-attaque, c'est plutôt pas mal. Je vais peut-être dû prendre celui-là au lieu de prendre le Z. Pour les corbins, je vais préférer prendre un peu de la distance pour pouvoir les faire un peu plus efficacement. Voilà. Donc, Xinzo Jungle, ça fait un petit moment que je dis que j'avais pas joué. Mais, de base, je trouvais l'ancien simple, en fait, simple à jouer, vraiment trop simple à jouer. Encore maintenant, il est très simple à jouer. Et complètement broken. Après, parce que il y en a d'autres qui vont trouver ça. Non, j'ai des amis qui trouvent justement que Xinzo, ils le trouvaient faible. Forcément, j'ai jamais trouvé Xinzo faible. Et depuis le rework, je trouve que c'est un monstre en fait. Depuis le rework, ce personnage, c'est un monstre. Il est juste trop fort. Ouais, pourquoi il a pas le sondage? Voilà. Donc je vais bientôt aller top, je pense, hein. J'ai fait ça et je vais aller top. Comme ça, moi, la Riven sera, je pense, forcée de flash. C'est soit flash, soit. Parce que ça peut être jumping, mais c'est une jump qui ne permettra pas de s'échapper. Voilà. Riven flash. C'est ce que je cherchais en fait. Je cherchais surtout à la faire flash, je pense pas que j'aurais tué justement à cause de ça. Du coup, je vais aller gank le mid. C'est Johnny qui peut arriver à tout moment. Oh yes! Oh nice! Ah oh, c'est worse un jeu de First Blood. J'ai été Ignite si je me trompe pas, ouais. Un Magnite. Du coup, no Ignite Nidalee. Nidalee. Pourquoi je dis Nidalee moi? Il y en a qui prennent l'enchantement guerrier. Maintenant, je pense que c'est surtout vu que le Q-Spell fait moins de dégâts de base, mais plus avec les dégâts ajoutés. Je pense que c'est peut-être pour ça, mais pour moi, le Rasoir Sanglant c'est toujours le must. Surtout contre des tanks. C'est Johnny en plus qui n'est pas n'importe quel tank, hein, j'ai envie de dire. 100%. Maîtrise là qu'elle a, si je n'y je la vois pas assez souvent en fait. C'est pour ça que là je la lisais un peu. Comme ça, moi, je vois un peu ce que c'est. Et en fait, je ne savais pas que cette maîtrise, quand on l'utilisait, ça augmentait. Ah, j'ai deux smites. Je ne savais pas que ça augmentait voilà, l'armure et la ressource magique. Et après, j'ai vu ça. Il y a peut-être des chances que je vais prendre ceci. Justement, être encore plus tanky. Surtout quand j'aurai, je pense, mes Sions, mes Chouettes. Du coup, ça va, c'est Johnny qui a un kill encore. Je préfère que ce soit c'est Johnny plutôt qu'une Nidalee. Peut-être que j'ai mis.
Ouais, je vais aller. Je finirai le camp après. Autant que le gros n'a pas été tué. Ouais, je sais, je défends. Je me défends. Oh, je suis dedans. Arrête, il me poke. De toute façon, je suis pas en danger, hein. Oui, t'inquiète pas, Vegar, je faisais juste défendre. Je faisais juste défendre ta lane. Et d'habitude, je maxe le. En fait, j'avais oublié si je maxais le E ou le A. Du coup, je vais maxer le A plutôt. Pour le reset d'auto-attaque. Et... Bon, c'est toujours ça fait toujours du bien, quoi, les auto-attaques plus puissantes. Hein. Le clic droit. Hein. Les joueurs de Tryndamere connaissent un hein, maestro comme moi. Le clic droit, c'est la vie. Jax aussi. Ah. Jax aussi, le clic droit, il aime beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup. Ah. Un de mes amis IRL, Uthazar. Attention, je peux pas lui parler, je lui enverrai juste un petit message pour lui dire désolé, je suis en vidéo. Je suis wardé. Varus s'est fait tuer, contre 801, ouais, il a dû se faire grab, je pense. Une fois que tu t'es fait grab par Blitz, bonne chance pour t'en sortir, hein. C'est quasiment impossible. Bon, j'ai mis un peu à côté, mais je les ai trop touchés. Tu survives, Vegar? Voilà. J'arrive, j'arrive. Genre le Vega, il a, enfin le Malphite, il a à tout prix envie de faire un move là. Il a son ulti, il a son R, il a envie. Ils ont pas de chance pour toi, ils sont partis. Oh Vega, Malphite, arrête. Je veux pas que t'aies faim, mais il limite quand même. Ouais, il a faim, hein. Ah, décidément. Voilà, elle a tenté de me play. Yes, 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 t'en fais pas, t'en fais pas. J'ai pris un sbire, yeah. Oh là là. Désolé, désolé, si je réponds pas. Bon, allez, maintenant j'ai mon rasoir sanglant, ça va être bien ça. Donc là je vais faire le red buff, on va voir comment ça part un peu. Ils sont plutôt mal mais... Non, 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 non. C'était sûr. C'était sûr et certain. Oh j'ai senti le truc venir tellement. See when you want good trade. And you can stop right mage. Les gens qui écrivent en majuscule, majuscule de manière permanente comme ça, je trouve ça juste chiant et horrible. Et les gens qui écrivent tout le temps en majuscule comme ça, je finis toujours par les mute. C'est même pas une blague. Je trouve ça juste stressant. Oh. Bégard. Bégard. Voilà. Tu veux faire le. Tu voulais faire le mec, mais ben voilà. C'est quoi? Voilà. Voilà, on l'a eu. Mais oh, mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ça me spam ping comme ça? Enfin, je sais pas, je gèle, je veux juste aider à push et je me fais spam ping. Oh, c'est horrible les gens comme ça. Oh, c'est la pré-saison après tout, hein. La pré-saison, il peut y avoir des tours, des gens comme ça. Après, bon, si je prends un ou deux sbires, t'as eu un kill, hein. Désolé que ce soit pas le Varus qui l'a eu, mais bon. Je veux dire, si j'aurais à tout prix eu le kill, j'aurais compris que t'aurais râlé pour un sbire et encore t'es le support. Le support, il a pas râlé pour ça. Enfin, voilà. Voyons enfin. Je sais pas, je sens que le Varus il va se faire choper s'il reste. GG Malphite.
Ah, on peut pas y aller. Ça fait trop mal. Le beat, s'il est arrivé, ça nous a trop mis mal. Attention. Normalement, je peux back l'argent. Voilà. Bon, je vais pas vous cacher que s'il aurait réussi à me grab, j'aurais été triste quand même. Hein. J'aurais été vraiment très triste d'avoir été me faire tuer comme ça. Donc là, je fais un petit lame du roi déchu, puis ensuite je vais partir tanky. Je vais avoir juste ces deux items-là, ensuite partir tankiness. Je pense que je vais aussi me faire un coup prévoir après un ou deux items tanky pour avoir plus de. Bah, surtout que là c'est Joanie quoi. Lui réduire l'armure, c'est toujours pratique. Ensemble, le. Oh, zut, Nidalee is here. Enfin, Riven. Ah, le beat s'y rend beaucoup et la botlane elle oublie de demander le SS, enfin de prévenir le SS. C'est très handicapant pour nos alliés ça. Hop là, nos flashs. C'est un truc très très bon ça. Je vais tenter un dragon, tiens. Ça perturbant quand même qu'ils aient mis la vitesse d'attaque sur le E, parce que du coup j'ai plus trop l'habitude d'appuyer sur le. J'avais trop l'habitude d'appuyer sur le Z en fait, pour la vitesse d'attaque supplémentaire. Et maintenant c'est plus ça. Mais ils veulent vraiment dive. Moi je ne dive pas. Hein. Malphite va se faire tuer, mais oh! Oh le génie! Oh le Malphite il est bon, pourtant bon il n'a pas la champion dur à jouer, mais j'aime beaucoup. Ah la Nidalee elle a bien géré ce coup-là. Ah non, il l'a touché. Moi, je m'attends à la voir partir par là. Non, non, mais elle est là. Tant pis, je vais pas la chase plus longtemps. Si en fait le fait que soit venu, ça a laissé la first hour. Bon, tant pis, hein. First hour freeze. Dommage. Je devrais peut-être jouer plutôt autour du Malphite, vu que le Malphite il a pas l'air mauvais. Le Varus et le Horn pour un. Bah le Horn ça va, le Varus je le vois pas trop jouer encore, donc je peux pas trop dire, je sais qu'il a dû faire grab deux fois. Le Veigar, combien de la farm déjà? 52 farm, c'est pas génial. Donc une fortune ici, très bien, hop. Donc là je vais back m'acheter un petit sceptre vampirique pour avoir un peu plus de vol de vie. C'est le système, on l'a déjà avec le passif, mais avoir du vol de vie supplémentaire c'est toujours bon à prendre. Par contre, si le Horn il y va, je vais plutôt y aller, histoire de pouvoir taper l'assist ou le kill. Voilà, ça c'est bien. Nice. Voilà, parfait. Ouais. Il aurait peut-être pas dû ulti, parce que son ulti, du coup, il l'a perdu. Ça. C'est toujours bon, quoi. Ok. Riven mid aussi. Là pour l'instant je suis pas, je veux dire c'est un fight qui se lance, là je suis hors combat pour le moment. Ah oui elle est énervée elle. No flash, MF. Le Malphite qui a tanké. En vrai, on n'est pas venu l'aider. Dommage. En fait, c'est plus la tour que j'ai envie d'avoir, moi. Bon, par contre, la m'énerve. Non, mais Horn! Mais Horn! Pourquoi t'as ulti? Non, son ulti est totalement useless. Il a juste perdu pour rien. On allait sûrement pas aller là. Ah non, moi je vais là. Je suis désolé, moi je vais défendre la tour. Hein. L'Herald, on peut le prendre après. On a encore 5 minutes. Oui, j'y vais, Malphite. Ah bah, décidément. C'est pas très folichon, hein, le truc des partenaires. Je les ai vus. Partenaire tag team, enfin, de la tag team. Partenaire d'équipe, actuellement, ils sont pas fameux.
Elle veut tenter le pays. Allez. Allez, c'est bon. N'est pas m'aider. Fais juste les tempos, mais faut pas qu'il vienne m'aider. Sinon, il perd du temps sur les lignes qui peuvent push. C'est pour ça que souvent j'aime bien faire les objectifs tout seul, c'est comme ça moi les alliés restent sur les lanes. GG. Ouais, Veigar. Veigar, ça fait toujours pas remonter. Veigar, c'est un des champions que je déteste le plus aussi. Parce que, en fait, la plupart des persos à stack, à part Shogat, c'est encore Shogat, mais moi je dis moi-même quand je joue, c'est broken, c'est vraiment les persos à stack, c'est vraiment un délire. Ah, Riven qui est en train de hard push. Oh putain, les gars. J'arrive. Sur une vidéo, je peux pas répondre. Et voilà. Bon, du coup, là, on a pas l'avantage en fait. On a chacun une tour, donc ça passe, mais. Je vais à tout mid et là ils sont en train de push. Oh, ils push partout, c'est un délire. Voilà. Là j'ai pas de ward, c'est l'Herald, donc du coup si je lâche, c'est l'Herald que je lâche. J'ai pas très envie. Je vais suivre le Malphite, parce que Malphite il a l'air de savoir un peu ce qu'il fait. Il a dominé la saline contre Riven. Autant Malphite Riven, vous allez me dire, c'est normal vu qu'il est full armure, mais pas tant que ça. Hein. Riven, ça a quand même pas mal de dégâts. Bon, là, elle joue létalité quoi. Contre Malphite, c'est pas ce qu'il y a de plus opti, mais c'est déjà ça qu'on va dire. Voilà. Malphite push. Ah oh, zut, les sbires. Oh nice, j'avais pas vu ça qu'il y a eu un fight qui a largement été dominé. C'est bon ça. Sur ça, on prend deux tours. Hein. On prend deux, ensuite je vais dragon. Le dragon, j'aime bien l'animation de back. Non mais hey, oh Ego Drake, let me play, stop stomping me please. Non, décidément ici ça arrête. Ah, je vais finir par mieux de les ping hein. Je viens de dire que je fais Drake, le gars demande de l'aide au Drake. Punaise. C'est quoi, il fait mes corvins, je fais raid. Hop là, voilà. Est-ce que Fight va se lancer? Malf, tu peux rester là. Hein. Qu'il était tanky, pour y rester. Très mauvaise idée, je trouve. Hein. Je trouve que c'est une franchement une mauvaise idée. Finalement, ça s'est très bien passé. On a eu Drake. Ah! Ça a faim. Ça va, encore si Johnny, c'est pas celle qu'il faut tuer en priorité. Je veux dire, il y a plus prioritaire qu'elle. Je sais qu'elle bait. Voilà. Parce qu'elle peut stun rapidement. Voilà. Je vais péter son truc. Là, en back, puis. Il sera revenu à la vie avec Nidalee. Est-ce qu'il y a un blue buff qui traîne? Non. Il y a des loups. Hop, hop, hop.
ça c'est acheté. Moi, je vais y aller. Plutôt que commencer à peu à peu le bot. Ça pourrait être une bonne idée. Bon, vu leur équipe, je vais surtout faire des tabis ninja pour Riven MF. Je vais partir sur un petit visage spirituel pour un peu de tankiness magique. Plutôt faire d'abord mes loups et le golem. Enfin, le golem et le gromp. Et surtout les deux. Là, ils vont défendre la tour. Ouais, meuf qui roam. Les deux wards que j'ai mis là, elles étaient inutiles. Hein, clairement. Enfin, inutiles, il y en a une qui pouvait être utile, mais bah, j'avais pas besoin de mettre la deuxième. Quoi. Parce que j'avais envie de poser mes deux wards. Voilà. Il y a des moments comme ça, j'ai envie de poser quelque chose et je le fais. Et alors, c'est pas toujours bon. Du coup, ça fait 60% de vitesse d'attaque supplémentaire, c'est pas mal. Putain, elle est mal fit. Ah, je suis content de l'avoir dans mon équipe finalement. Enfin, finalement, j'ai toujours aimé avoir de Malphite dans mon équipe car c'est toujours un personnage fort. Malphite. C'est jamais un personnage vraiment faible. Ça arrive toujours à faire des trucs. Hein? Un petit red buff pour le Varus. Je sais si je taxe un peu, mais. Si, hop, je laisse le canon. Prends-le. Parce que nous, nous. Ah, je crois que c'est juste un taunt. Oh, il a fail. Ah, c'est dommage. Oh, mais non! Bon, il est sous farm. J'ai pas pris de sbire, j'ai aidé, mais j'avais pas pris. Voilà, hop. Les dégâts sont appliqués. Dans ce rôle, n'était pas ce qu'il y avait de mieux. Allez, on part, on part. On va push un peu le mid. Histoire de faire des rotations parce que tout le temps rester au même endroit c'est pas forcément rentable hein. Bon, Rengar a pris la tour bot, ça c'est franchement pas mal. Oh, la game elle se passe bien hein. Riven elle sait pas jouer Riven. Ça c'est un avantage pour nous parce que les main Riven c'est tellement dur à tuer. Mais en même temps Riven c'est un personnage qui est vraiment pas sympa. Voilà, hop. Oh, multi! J'ai été ulti. Ça ira, ma chute. Le mal. Yep. Lui, j'ai dive, parce que je pensais qu'il allait. Ok, I see. Une flame for that. S'il veut, je le flame. À 3, 124 farm à 24 minutes. Aussi, je peux dire quelque chose s'il veut. Voilà, décidément. En ce moment, les pré-saisons, la plupart des mates, pas tous, hein, heureusement, d'ailleurs, ils sont chiants en fait. Là, il y a encore, vous voyez, les spams comme ça va, mais il y en a, ils spamment 8 fois, je suis en chemin en boucle, juste pour dire en gros qu'ils arrivent, des trucs comme ça. Bah voilà, vous voyez, c'est ça que je trouve ça inutile en fait. Tu piques 8 fois, voire 2, mais le ping 32 fois, franchement, c'est inutile. Voilà. Moi, je vais ice split spot. Se passe. Oui, je laisse mon perso farmer. Je sais que je loupe 32, mais je m'en fous. Voilà.
Bon, dans le split, il est plus très utile, hein. On a pété deux inhibs maintenant. Le truc à faire maintenant, c'est de... Ouais. C'est d'aller push les autres lanes. Ah, Veigar s'est peut-être fait choper, non. Voilà. Comment calmer une Riven qui se croit trop chaud sur son personnage? C'est comme les main, enfin les nouveaux Darius, quand ils commencent Darius pour la première fois, ils ont toujours le sentiment d'être immortels. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Alors qu'en fait, non, on n'est pas du tout immortels. Oh putain! Oh mon dieu, mais il a disparu! Oh mais les dégâts de Veigar, c'est un délire. Oh mon dieu! Oh mais le one shot! Mais t'es full life, non? Non, réellement, elle était pas full life là. Si, si, allez, je crois. Franchement, je crois, c'est même pas pour une blague. Je crois qu'elle était full life là. Enfin, la Nidalee. Bon, en tout cas, là, c'est. Bon, je vais mettre fin à cette vidéo vu que la partie est finie. J'espère que la vidéo sera plus. C'est une partie plutôt. Ouais, bah, pas dure, mais pas facile non plus. Ouais, plutôt bien, je vais dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée en fonction de là où vous regardez la vidéo.